Bati, votre chaîne d'information, votre site de référence. Nous recevons aujourd'hui Monsieur Mwenda Moussouki, enseignant-chercheur en France et vice-président de l'association citoyenne de solidarité du Congo-Brazzaville. Bonjour. Bonjour Monsieur Mingwa. Ça fait un petit moment qu'on ne vous a pas vu sur nos antennes. On va vous remercier d'avoir répondu à notre invitation, mais rapidement, on va entamer le but de notre entretien. Vous êtes donc vice-président de l'association citoyenne de solidarité du Congo-Brazzaville et votre association a lancé un appel aux dons pour une distribution de kits scolaires aux enfants victimes de la guerre du Pôle. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Oui, bien sûr. Alors, avant de répondre à votre question, juste une petite précision. Alors, je suis deuxième vice-président donc de l'association citoyenne de solidarité. Hein, donc, le président étant donc Andrea Ngombe et le premier vice-président, le doyen Benjamin Moutila. Donc, évidemment, en fait, j'aimerais vraiment, une fois de plus, hein, parce que nous sommes sur le terrain. Bon, vous avez dit que vous ne m'avez pas vu ces derniers temps, c'est vrai, mais vous savez, tout ne se passe pas devant les médias. Hein, voilà, ça ne se passe pas tout le temps devant les médias. Nous sommes sur le terrain en train de sensibiliser les Congolais, aussi les amis du Congo, pour vraiment agir pour les enfants du Pôle. Dans l'immédiat, hein, c'est une situation très très compliquée, tout le monde le sait, mais dans l'immédiat. Ceux qui sont sur place, eh bien, nous font savoir que l'urgence pour le moment, c'est donc la rentrée. Il y a des enfants qui ont pu avoir des inscriptions, qui pourront aller dans certaines écoles, mais se pose le problème, du matériel scolaire, tout simplement. Hein, il manque de cahiers, de stylos, voilà, kit scolaire, quoi, en règle générale. Voilà pourquoi, eh bien, nous lançons une fois de plus un appel à nos compatriotes, de faire un geste. De faire un geste, c'est très très important. Ce sera peut-être un petit geste à leur échelle, mais grand si on arrive à faire de telle sorte que plusieurs gens participent. Hein, donc il y a aussi des amis du Congo qui sont en train de nous aider, et c'est aussi l'occasion de les remercier parce qu'effectivement, il y a des gens qui donnent quand même, et nous encourageons donc les gens à faire cela. Nous faisons tout pour susciter une espèce d'élan du cœur hein, de la part des Congolais et aussi de la part des amis du Congo. Élan du cœur, mais vous savez, hein, c'est ce geste qui peut être social, mais est aussi éminemment politique. Hein. Éminemment politique, c'est-à-dire, enfin au sens noble du terme. Hein. Vous savez, ces enfants qui sont en train de souffrir, qui ont beaucoup sont des orphelins, par exemple, eh bien, si demain ils apprennent que ce sont les Congolais du nord, du sud, de l'est, de l'ouest qui les ont aidés à poursuivre leurs études, si demain ils deviennent, ils le deviendront, des gens qui viennent aux responsabilités se rendent compte que tout le monde a mis la main à la pâte, je pense que ça sera déjà aussi un début pour commencer la réconciliation, parce que vous savez, hein, le tissu social, le tissu congolais est complètement écrabouillé, et je pense que là, c'est déjà posé des jalons pour eh bien, un Congo qui soit une république hein, dans l'avenir, pour que ces jeunes-là ne pensent pas que eh bien, d'autres venus de je ne sais où sont venus les massacrer. Donc, c'est éminemment politique aussi. Mwenda Moussouki sur Congo Liberty. Effectivement, l'association a lancé une campagne de dons auprès de la diaspora congolaise. Les dons arrivent parce que moi-même, Mingwa Biango, je suis secrétaire général de cette association-là. On demande vivement aux Congolais de participer à cette collecte de dons parce que les enfants du Pôle aujourd'hui sont en train de souffrir. Alors, on va continuer à parler du Pôle. Il y a eu une rencontre entre M. Denis Sassou Nguesso et des personnes dites sages du Pôle pour une sortie de crise. Est-ce que vous réjouissez que M. Denis Sassou Nguesso enfin reconnaît qu'il y a une crise humanitaire dans le Pôle et demande à tous ces jeunes de sortir? Il a donner sa parole lorsqu'on l'écoute. En tout cas, il a insisté sur la création de couloirs humanitaires sous l'égide de l'ONU ou d'organisations internationales. Qu'en pensez-vous? Oui, M. Mingwa, bien évidemment, j'ai suivi cette rencontre avec les notables et sages du Pôle. Mais vous savez, il y a quelques jours, quelques mois, je suis passé dans vos studios et je vous avais dit que M. Denis Sassou Nguesso savait très bien qu'il y avait une crise, qu'il y avait même une guerre hein, dans le Pôle. Hein. Ça, je l'avais dit, qu'il était très bien au courant, mais qu'il ne voulait pas le reconnaître. Mais vous savez, j'ai aussi dénoncé la dernière fois, vous savez, la société du spectacle. On est là, en plein dans le spectacle. Parce que
Bon, c'est bien de réunir comme ça des notables, des sages. À eux, je ne reproche absolument rien. Hein. Je pense même qu'ils ont été très très sages dans leur façon d'être. Hein. Je vois comment ils sont venus pour chercher, voilà, à apaiser M. Denis Sassou Nguesso. Mais vous savez, dans ces lieux-là, les cœurs ne parlent pas. Et ce qui est important, ce n'est pas ce que les gens disent. Moi, je n'écoutais pas tellement ce qui était dit. Hein. Moi, j'écoutais, ou plutôt, je regardais ce qui ressortait à travers les visages des gens. Il y avait, c'était lourd, c'était une lourdeur. Il n'y avait pas la sincérité là-dedans. On ne peut pas pardonner, on ne peut pas prendre des décisions s'il n'y a pas la sincérité, pas dans le mensonge. Une fois de plus, c'est un spectacle de plus. Puisque même là, vous savez, cette ambiance qui était tellement lourde que même quand M. Denis Sassou Nguesso essayait de faire rire, mais c'était même pas de l'humour, c'était du sarcasme. Vous voyez, quand il dit, par exemple, ben oui, faites-le venir, vous savez où il est, n'est-ce pas? Il y a toujours la suspicion qui est derrière tout ça. Comme ceux qui sont là, eh bien, vous savez où est Ntoumi. Mais même s'ils le savaient, ça n'est pas à eux de dire où ils se trouvent. En fait, il y a quand même des gens qui sont payés pour ça. Monsieur, Madame Ossoki, sur Congo Liberty, on a parlé de couloirs humanitaires et beaucoup relèvent le fait que ces couloirs humanitaires vont être des couloirs de la mort, comme ça l'a été pour nos malheureux compatriotes dits des disparus du Beach. Est-ce que si couloirs humanitaires il y a, vous pensez que les choses vont mieux se passer que ce qui s'est passé malheureusement pour les disparus du Beach? Oui, monsieur Bingo-Biango, vous le dites si bien. Vous savez, on ne peut pas. Dès qu'on parle de couloir humanitaire, revient à l'esprit l'affaire des disparus du Beach. Forcément. Forcément. Et quand vous avez en face un régime, il faut déjà. En fait, auquel on ne fait pas confiance, parce que les Congolais ne font pas confiance à ce régime-là, qui est illégitime, le pouvoir est illégitime. Ça aurait encore été une autorité choisie par les Congolais, que, eh bien, ça pourrait se faire. Mais une fois de plus, ça s'est passé. En 1999, si ma mémoire est bonne, je crois, hein, pour l'affaire des disparus du Beach, et même entre-temps, hein, pendant que se passaient ces exactions dans le pool, il y a eu des jeunes qu'on a assassinés comme ça à bout portant, sur lesquels on a tiré à bout portant, alors qu'on leur avait demandé de sortir. Je ne sais pas si vous vous rappelez encore de la situation de ce monsieur, je ne sais pas, la trentaine, qui allait au champ et qu'on a abattu comme ça. Il y a eu des situations comme ça, où les gens sont abattus n'importe comment. Et ce qui est encore curieux, c'est que le régime de Brazzaville ne dénonce pas cela. Quand le régime de Brazzaville dénonce les exactions, c'est juste pour parler de ce que les Nsibounou font, les miliciens de Ntouni font. Alors, le car qui avait été brûlé, je crois qu'il y a eu des violences, je crois qu'on a peut-être tué aussi des personnes. Ça, c'est condamnable, quel qu'en soit d'ailleurs l'auteur, c'est vraiment condamnable. Mais le régime de Brazzaville ne focalise que sur ça. Quand on écoute les victimes qui sortent de cet enfer-là, ils parlent des agents de l'armée, ils parlent des militaires de l'armée, en fait, ce qui est resté l'armée nationale. Et ça, évidemment, on ne le dit pas. Donc, couloir humanitaire, ben, moi, je ne pense pas que ces jeunes-là pourront sortir, surtout quand je vois la façon dont c'est présenté. Alors donc, vous doutez que cette manifestation-là peut être l'ébauche, en tout cas, d'une sortie de crise pour le pool. Alors si ce n'est pas ce type de manifestation qui peut amorcer une sortie de crise, est-ce que vous pensez qu'un dialogue, en tout cas aujourd'hui on en parle beaucoup avec M. Denis Sassou Nguesso, peut, dans sa globalité, régler le problème du pool et au-delà, le problème du Congo? Je vais répondre à votre question sur le dialogue, mais permettez que je revienne rapidement sur ce que l'on vient de dire, hein, à propos de cette réunion avec les notables et sages du pool. Vous savez, les sages et notables du pool que j'ai vus, je reconnais certains d'ailleurs, hein, sont des gens vraiment respectables. Hein, mais pensez-vous qu'ils ont vraiment de l'autorité sur les gens qui sont en armes dans le pool? Pensez-vous qu'eux peuvent aller dire, par exemple, à Ntoumi, écoutez, soyez sages, revenez, faites passer. Quelle autorité ils ont? Monsieur Denis Sassou Nguesso est un militaire. Monsieur Denis Sassou Nguesso a eu aussi à diriger les Cobras. Est-ce que à cette période-là, les sages, par exemple, des quartiers nord, où il y avait beaucoup de Cobras, ou encore des régions nord, des zones nord de Brazzaville, enfin, oui, du Congo, pouvait aller dire à M. Denis Sassou Nguesso non, arrêtez les armes, et lui aurait écouté ces sages-là. Quel est leur poids dans tout cela? Quel est leur poids face à des gens qui sont armés?
Donc soyons sérieux, il faut qu'on arrête avec le spectacle. Maintenant, pour répondre à votre question sur le dialogue, vous savez, le dialogue en lui-même est une bonne chose. Le dialogue dans l'absolu, c'est bien. Le problème est qu'on norme mal les choses. Depuis un certain moment, vous remarquerez qu'il y a une espèce de constante. Presque tous les 2 ans, le régime de Brazzaville organise des rassemblements politiciens qui le nomment abusivement dialogue. Vous savez, demandez, convoquez Camus, il vous dira ce qu'il advient lorsqu'on nomme mal les choses. Hein. Ce sont véritablement des rassemblements politiciens. C'est-à-dire, lorsque ce régime-là est un peu en difficulté, il crée comme ça un rassemblement politicien que moi j'appelle en réalité une foire aux allégeances, hein, parce qu'en fait il convoque les gens, sachant donc le régime sait très bien que ce n'est pas un vrai dialogue, et il essaie de voir qui viendra à ce dialogue-là. Donc ceux qui viennent au dialogue sont des gens qui lui font allégeance. Et c'est par si, et parmi ceux-là aussi, il y aura des gens qui sont de l'opposition. Et c'est donc ceux qui sont de l'opposition qui viennent à ces dialogues, sachant très bien que ce n'est pas un dialogue, c'est un rassemblement politicien, que le régime détecte ceux qu'il pourra coopter. Et vous verrez très souvent que ceux qui viennent, à la fin, vous les retrouvez, hein, dans les postes d'administration, nommés à l'Assemblée, au Sénat. C'est comme ça que ça se passe. Ce n'est pas un vrai dialogue. Mais le dialogue, depuis très très longtemps, vous savez très bien que nous appartenons à une structure qui a souvent demandé le dialogue. Mais ce dialogue-là n'a jamais eu lieu. Et puis, vous savez, quand on fait de la politique, il faut évoluer dans un cadre donné, avoir des principes qu'il faut respecter. Au nom de ces principes, il y a celui qui veut, par exemple, que, eh bien, une dictature en position de force n'a jamais dialogué. Ça, c'est presque, je ne sais pas, c'est une affirmation qui a valeur de vérité scientifique. Il n'y a jamais eu de dictature en position de force qui a dialogué. Ce type de dictature, même à la dernière seconde qui précède sa chute, croit en sa toute-puissance et n'est pas prêt à dialoguer. Le rapport de force est, en ce moment, en faveur de ce régime-là, de la dictature. Maintenant, si on me prouve qu'en ce moment, le régime de Brazzaville est tellement au pied du mur qu'on a inversé le rapport de force, ben, si on arrive à me convaincre dans ce sens-là, oui. Est-ce que vous allez être convaincu? Mais pour le moment, non. Mais non, pas du tout. Enfin, je ne vois pas. Vous savez, ils vous diront, mais tout se passe bien. Le Sénat, il y a le Sénat, il y a... je ne sais pas. Voilà, tout se passe bien. Le président peut voyager comme il veut. Vous savez, quand vous entendez M. Denis Sassou Nguesso, quand il a prononcé très bien, par exemple, lui, dès qu'il n'y a pas de coup de feu, donc tout va bien, quoi. Alors, vous avez dû l'entendre dire ben, « j'ai sillonné tous les coins, il n'y a pas eu d'incident ». Mais c'est tout à fait normal qu'il n'y ait pas d'incident. Monsieur Mwanga Musoki sur Congo Liberty, je vais rebondir sur un propos que vous avez, il y a quelques secondes ou quelques minutes, tenu sur la nomination des parlementaires. Il y a aujourd'hui, dans l'Assemblée de Monsieur Denis Sassou Nguesso, deux groupes qui se revendiquent de l'opposition. Vous parlez de nomination, mais il y a quand même Parfait Colella avec son Yuki et Pascal Sassimabiala qui se déclarent opposants. Est-ce que vous considérez qu'ils ont été nommés ou vous considérez qu'ils ont quand même gagné ces circonscriptions et qu'ils peuvent jouer un rôle en tant qu'opposants dans cette assemblée-là? Bon, vous savez, opposant dans cette assemblée, en fait, déjà pour être dans l'opposition, il faut qu'il y ait des règles de jeu au départ, hein, donc des règles de jeu communément partagées. Ce qui se passe, c'est que vous avez d'un côté, en fait, j'ai entendu parler de relations asymétriques, mais les vraies relations ou la vraie relation asymétrique se trouve entre le régime en place, hein, qui est au pouvoir, et ce qu'on appelle l'opposition. C'est-à-dire que vous avez un régime au pouvoir qui ne respecte aucune loi, qui fait ce qu'il veut, et de l'autre, l'opposition, à qui, eh bien, on force de respecter la loi. Ça s'est toujours passé comme ça. Et, bon, monsieur Parfait Colella, je ne sais pas vous rappeler, moi j'avais condamné le fait qu'il ait reconnu une institution, le Conseil constitutionnel, qui est illégitime, qui était illégitime, reconnaître une constitution, une institution comme celle-là. Je pense déjà que ça ne devrait pas se faire. Monsieur Tsatsimabiala, depuis un certain moment, eh bien, même les enfants de 6 ans au Congo se demandent s'il est vraiment dans l'opposition. Donc je ne vois pas vraiment quel impact ils pourront avoir dans une assemblée où il y a pléthore de majorité présidentielle. Est-ce que pour vous, c'est des opposants? Moi, je ne les considère pas du tout comme des opposants. Enfin, je pense que, vous savez, je pense que ce sont des gens qui sont là à garder certaines positions. Vous savez, le régime de Brazzaville, ce que j'ai dit, hein, quand...
il fait ses rassemblements politiciens, quand il crée ses foires aux allégeances, ceux qui viennent hein, sont récompensés. Hein, ceux qui reconnaissent, qui font allégeance à ce régime, sont récompensés. Bon, M. Tchatima Biala, vous verrez que ceux qui étaient dans l'opposition, par exemple les représentants de l'UPADES, beaucoup ne sont plus à l'Assemblée maintenant. Hein. Et si vous cherchez très, très, très bien, vous verrez que ce sont des gens qui ont très souvent apporté aussi une véritable opposition à ce régime-là. Et je pense que, moi, Tchatima Biala, l'impression qu'il me donne, c'est que, eh bien, il est là à préserver son siège à l'Assemblée. C'est pour cela que, depuis un certain moment, eh bien, on a l'impression, d'ailleurs, qu'il collabore carrément avec le régime. Monsieur Mwanda Moussoki, sur Congo Liberty, vous êtes un intellectuel congolais. On va rappeler que vous êtes enseignant et chercheur en France et deuxième vice-président de l'Association citoyenne de solidarité du Congo-Brazzaville qui a passé un appel aux dons en faveur des enfants des déplacés de la guerre du Poule. On va parler rapidement de la mission du FMI qui s'est rendue à Brazzaville pour négocier avec le gouvernement de M. Denis Sassou Nguesso afin que le FMI lui octroie une ligne de crédit pour essayer de relever l'économie. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose, à savoir que le FMI recadre un peu l'économie congolaise et la relève? Ou est-ce que, comme certaines personnalités congolaises, vous pensez que le FMI n'a pas à octroyer de crédit à M. Denis Sassou Nguesso? Bon, c'est vrai qu'il est difficile de répondre par une bonne ou une mauvaise chose, mais je pense que beaucoup de choses se disent à propos de l'intervention du FMI au Congo. Hein. Vous savez, beaucoup se demandaient, est-ce que le FMI interviendra finalement au Congo, vu tout ce qui s'est passé en amont, hein, vous avez un régime qui ne dit pas tout sur la dette du Congo, vous avez un régime qui cache la vérité, et bon, on commençait à se dire, ben oui, lorsque au départ on nous dit que la dette était en fait 70%, enfin un peu plus de 77% je crois du PIB, et que finalement ça se retrouve à presque multiplié par deux, presque. Commence à se dire, mais tiens, le FMI ne pourra peut-être pas octroyer en fait, ces prêts demandés par le régime de Brazzaville. Mais je pense qu'il ne faut pas, il ne faut pas se mentir. Le FMI ne vient pas aider, puisqu'on a aussi entendu, même au niveau des autorités de Brazzaville, hein, même au 72e sommet des Nations Unies, quand on écoute Madame Lagarde, c'est à peine si elle ne dit pas que nous venons aider le Congo. Et c'est repris par beaucoup de gens. Au Congo, les gens disent que le FMI vient aider le Congo. Il faut quand même rappeler que le FMI est une banque, ça n'est pas une organisation caritative, si c'était le cas, ça se saurait. Le FMI, c'est le parangon du néolibéralisme, le FMI, c'est le régulateur néolibéral. Si le FMI vient au Congo, c'est d'abord pour sauver les créanciers du Congo. Parce que, bon, il faut dire les choses simplement. Quand vous entendez des termes du genre équilibre macroéconomique, soutenabilité de la dette, mais qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? Ce qui se cache derrière tout ça, c'est tout simplement que le Congo est arrivé à un point tel que il ne peut plus honorer ses dettes. Le Congo ne peut, l'État congolais ne peut plus payer ses dettes parce qu'il a un poids de la dette qui fait de telle sorte que le poids qu'on peut supporter, les économistes vous le diront, c'est 70% hein, du PIB. Mais quand on se retrouve à 110, même si là, je sais pas, la mission qui est passée au Congo a évalué la dette à 110% du PIB, bon. Tout en excluant quand même les dettes litigieuses et aussi les arriérés intérieurs. Donc, ce qui fait que, bon, quand ils viennent, eh bien, ils vont, le problème, c'est quoi? Ils finiront par octroyer les fonds que le Congo demande. Mais ça sera pourquoi? Pour que le Congo puisse libérer les créanciers, donc les amis du FMI. Vous savez, toute cette bulle spéculative qui sévit sur le marché financier international. C'est ça d'abord, le club de Paris, de Londres, même les fonds vautours d'ailleurs, hein, ça va être, eh bien, donc on vous donne l'argent, mais pour que vous payez vos dettes? Parce qu'il faut que le jeu continue, le problème c'est quoi? Nous sommes, nous autres, pays du Sud, donc on nous cantonne au rôle de éternel pourvoyeur de matières premières, et de l'autre côté, ceux qui en profitent, on en est là. Et vous, si vous ne voulez plus payer, vous risquez de déréguler la machine. Donc, si vous voulez, le FMI est là comme régulateur. Donc, viens, écoutez, je vous donne l'argent qu'il faut pour que vous puissiez continuer à faire le jeu. Alors, le jeu où on vous tape tout le temps dessus, mais on veut que vous soyez là, mais on veut bien que vous soyez avec nous. Revenez, il ne faut pas lâcher. Voilà ce qui se passe. Voilà pourquoi vous avez vu que dans certains pays, l'Argentine, par exemple, à un moment, on a eu marre. Parce que
quand ils viennent, ça n'est pas du tout. Ils ne s'occupent pas des problèmes microéconomiques. Hein. Ce n'est pas le bien-être du Congolais. D'ailleurs, j'ai tout à l'heure évoqué le rapport de la mission qui est passée à Brazzaville tout dernièrement. Mais ils ne tiennent pas compte des arriérés intérieurs. Mais c'est quoi là-dedans? Ce sont aussi les salaires. Ce sont aussi les sociétés privées qui emploient des Congolais. Et ces dettes-là, on n'en tient pas compte. Qui est-ce qui va s'occuper de tout cela? En un mot, est-ce que vous pensez qu'il est bon qu'on octroie un crédit au Congo ou pas? Certains disent que le pouvoir de M. Denis Sassou Nguesso a pillé le pays et que octroyer un crédit à ce type de pouvoir, c'est mettre de l'argent dans un trou sans fond. Oui, ben, vous savez, je vais vous dire sincèrement, je ne vois pas la nécessité d'octroyer de l'argent au Congo, parce que je l'ai dit une fois de plus. Il faut se poser la question, à qui profite l'intervention du FMI au Congo? Je l'ai dit, je le répète, parce que c'est d'importance. L'intervention du FMI au Congo profite tout d'abord aux créanciers du Congo, donc aux amis du FMI. Et après, eh bien, les dirigeants feront comme ils font d'habitude, donc se servir. Regardez, entre 2010 et 2014, donc après le point d'achèvement au PPTE, le Congo a affiché des résultats macroéconomiques, mais très favorables. Mais au niveau du développement humain, du bien-être des Congolais, on a vu que sur le classement de l'indice du développement humain, eh bien, le Congo était parmi les derniers, malgré le fait que le prix du baril de pétrole plafonnait. Donc, en fait, ça ne change absolument rien, sauf que, évidemment, même si ce sont des dettes à court terme, sauf que ce régime-là qui n'est pas éternel, s'il part demain, par exemple, eh bien, ce sont ceux qui viendront après qui vont payer ça. Donc, je ne vois vraiment pas du tout l'intérêt de cela. Votre mot de la fin, monsieur Wadamoussaki? Le mot de la fin, moi, je pense qu'il faut que je revienne encore sur le problème du pool, hein, sur l'association, en fait, vraiment, parce que ça me tient vraiment à cœur. J'aimerais que nos amis se mobilisent, nos compatriotes se mobilisent. Il y a comme ça des liens sur le site Congo Liberty où les amis peuvent faire des dons. Ceux qui nous connaissent, moi par exemple, j'ai eu des amis qui m'ont approché, qui me font confiance, qui ont donné leur participation. Parmi eux, il y en a qui ne veulent pas qu'on affiche leur nom, donc on en tient aussi compte. Ceux qui ne veulent pas qu'on dise leur nom, on peut le faire. Mais je reviens là-dessus parce qu'une fois de plus, nous sommes là aussi en train de poser les jalons pour l'unité du Congo. Parce que il ne faut pas se leurrer, tel que ça se passe là, nous sommes en train de laisser non seulement des dettes aux générations futures, parce que même moi qui parle, je pense que je suis sur la pente descendante de ma vie, hein. Je ne fais pas ça forcément pour moi. Pour dire comme le chante le doyen un cosmos, et si on a outillé Zamo Sika, et si on a Zoke Nenzela Mokousse. Donc, on ne fait pas ça pas tellement pour nous, hein. Nous le faisons pour ceux qui viennent après nous. Nous leur laissons déjà des dettes, hein, les dettes qu'on accumule, dont on ne sait même pas les origines, ou on ne sait même pas où elles sont. Donc, à ces générations, nous laissons les dettes. Mais si en plus, nous leur laissons la dette de la division, c'est vraiment, c'est criminel à la fin. On sera une génération criminelle. Moi, je dis jeune, mais en réalité, moi, je n'ai jamais participé dans ce régime-là, parce qu'on parle souvent, on vous dit tout le monde, non, pas tous. Il y a des gens qui n'ont jamais participé, qui n'ont jamais gouverné, mais qui le font, mais vraiment parce qu'ils aiment le Congo, et qui ne le font pas pour des intérêts personnels. Donc, une fois de plus, Nazobeta, Mbela, pour vraiment Batonyoso, Bakongole, Nyosobo, Sala, Makasinaibi, que mon mesan, qui a moi passé. Mais si vous tiens moi 15 euros, ou que tiens moi 20 euros, et que ça l'appelle vraiment, et que ça la malam. Nous avons un papa, il y a un bain à boire. Bon, ok, pas si, ah, on a tout, mais tu n'as pas moi, on a tout ça, même si on a moi 15 euros, on a tout là. Il y a que ça la vraiment, qui m'a motivé, 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 ben fungula batima le pool ke Congo il faut beno pesa moi bapata ba beto ke sana beno peut-être tout bana beno ba mambo tout mes sala peut-être kabula ba buku na bana ke kwenda na l'école bandeko bo pesa mabonza pour tout tinda bana ya le pool na l'école, hein, il faut tout faire la mitema. Congo est abissonioso, banalopoul, bazo koufa, bazo talapasi, makamezo le canalopoul, les amakambo minene, biso ba congolais, sasu, azo pekisa biso te,
to pesa mabonza po na bana ya lupulu. Oyo azo pesa te eza likambo ya mwa pasi po lobi lobi Congo tokotongango biso nyoso. Monsieur Wana Musoki, on vous remercie pour avoir parlé aussi en congolais, parce que le français, c'est vrai, notre langue officielle, mais nous avons aussi nos langues nationales et nous avons parlé en Kikongo et en Lingala. Merci à vous, à très bientôt sur Congo Liberty. Merci beaucoup.